Bonjour à tous et bienvenue dans cette première conférence du CFIA qui portera sur la texture. Et donc cette conférence est intitulée « Quel cahier des charges pour innover sur la texture des aliments, de la perception des consommateurs à la formulation et la production des aliments ». Donc c'est une conférence qui se fera sous forme de table ronde avec quatre intervenants. Il nous en manque un qui est encore dans les bouchons. On espère qu'il sera là avant la fin. Alors, ces intervenants sont issus de centres de recherche différents, hein, de Quimper, de l'Université de Bretagne occidentale à Quimper, de l'INRA de Nantes et de l'Adria Développement. Donc, ce sont des spécialistes de la texture. Et cette problématique a été soulevée dans le cadre d'un focus qui est une étude préliminaire réalisée dans le cadre de Valorial et pilotée par Nicolas de Courcelles, à qui je vais tout de suite passer la parole, puisque c'est lui qui va nous présenter un petit peu le contexte de cette étude. Merci Roland. Oui, donc comme le disait Roland, effectivement, donc ce focus traite de la texture. Voilà, donc le temps que Roland ici, voilà. Donc pour laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter plus les aspects consommateurs et les aspects technologiques. Voilà, donc j'ai quelques minutes pour placer le contexte du focus et très brièvement rappeler ce qu'est la texture, hein, pour montrer effectivement quelle était un petit peu la philosophie et l'approche qu'on a eue dans ce rapport. Voilà, ça y est, on arrive. Alors effectivement, on a souhaité dans ce focus, hein, je vous présenterai après donc le sommaire qui est établi. Donc il est créé, hein, il est disponible actuellement. Voici l'approche qu'on a eue. Donc alors pour rappeler ce qu'est la texture, hein, donc c'est une interaction entre un aliment et le consommateur. Donc c'est une dimension qui est purement sensorielle. Donc on a besoin donc de l'outil instrumental qui est l'homme, hein, pour faire cette mesure. Voilà. Alors sans rentrer dans les détails, pourquoi on dit que c'est une mesure qui est purement sensorielle? Parce qu'elle est liée à un système donc appelé, sans rentrer dans les détails, somatosensoriel, hein, donc la sensibilité corporelle. Et ce sont des récepteurs qui sont donc sur toute la surface du corps. Donc là, on est plus dans on va dire la détection tactile, mais aussi des récepteurs plus profonds, hein, qu'on va trouver dans les tendons et dans les muscles. Donc là, on va plus ressentir l'effort, le mouvement ou la position des muscles et des membres. Donc ce système permet la détection pour nous de la texture, hein. Donc c'est un système sensoriel bien particulier. Donc ça, c'est le premier point à soulever. Alors ensuite, donc j'ai essayé de relever trois points essentiels, hein, pour vous présenter ce qu'était la texture. Donc celui-là, c'était le premier. Donc le deuxième, on va la lire ensemble, hein, c'est la définition, une des définitions aujourd'hui utilisées pour la texture. Donc c'est l'ensemble des propriétés mécaniques, géométriques et de surface d'un produit, perceptibles par les mécanorécepteurs, les récepteurs tactiles et éventuellement par les récepteurs visuels et auditifs. Alors cette définition, elle est intéressante parce qu'elle montre que la texture, eh bien, c'est une perception qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on cherche à caractériser la texture par des moyens instrumentaux, par exemple, eh bien, un paramètre physique ne sera peut-être pas suffisant pour la caractériser, hein. Si on prend l'exemple d'une pomme, simplement, rien qu'au sein du fruit en lui-même, sur un plan macroscopique, il y a la peau et la chair qui n'ont pas la même texture. Si on descend un petit peu plus loin, on regarde la structure des tissus, eh bien, on tombe sur des cellules. Eh bien, ces cellules ont une certaine surface, ont une certaine densité, une certaine forme, une certaine adhésion entre elles, etc. Et tous ces paramètres vont influer sur la perception de la texture. Si on descend encore un petit peu plus loin, alors peut-être que la dernière intervenante pourra nous présenter plus en détail cet aspect. Si on descend aux aspects moléculaires, on peut encore aussi voir des effets générant la perception de la texture.
Et enfin, le troisième point qui est important pour introduire ce qu'est la texture, c'est que cette perception, en fait, elle est dynamique. Hein, c'est-à-dire que la perception que l'on donnera au final de la texture, eh bien, elle dure un certain temps. Quand on a un produit en bouche, hein, ça dure quelques secondes. Et donc, c'est l'intégration et l'accumulation de signaux sensoriels eh bien, qui va au final nous permettre de définir ce qu'est la texture d'un produit. Hein, puisque je ne rentre pas dans les détails ici, mais si vous laissez décrit dans le focus. Hein, mais effectivement, quand on met un produit en bouche, eh bien, il a une texture ou des propriétés physiques au départ qu'il n'a plus du tout juste avant la déglutition. Hein, donc il faut aussi noter effectivement que la texture, donc, c'est une perception qui est dynamique. Voilà. Donc je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, dans ce contexte, l'objectif du focus, donc, ça a été. Par des réunions et des sondages envoyés à la fois à des chercheurs et des industriels, donc d'essayer de définir et connaître les attentes actuelles dans ce domaine. Ensuite, dans le focus, donc, a été réalisé un état de l'art, donc, c'est-à-dire au vu des questions qui ont été qui étaient posées, donc, est-ce qu'on peut répondre par la littérature à certains points ? Et enfin, bien sûr, à l'issue de tous ces aspects, donc, proposer des projets. Alors, on a eu une approche pluridisciplinaire, hein, puisque pour étudier la texture, de multiples compétences sont nécessaires. Des laboratoires du Grand Ouest ont participé à la rédaction de ce focus. Donc, vous avez ici les sigles, donc l'ADRIA, le laboratoire ici, dont fait partie ma collègue Annick Tamaro, qui parlera tout à l'heure, l'IRSTEA de Rennes, le LIMADB de l'UBO, donc l'Université de Bretagne Occidentale. Le laboratoire d'optique laser de l'UBO, ONIRIST, IPR, qui est l'Institut de physique de Rennes, le STLO, donc le laboratoire sur le lait et l'œuf de l'INRA de Rennes, et bien sûr l'INRA. Dans le focus sont disponibles les fiches, des fiches descriptives des compétences de ces laboratoires et aussi donc, les coordonnées des personnes qui ont participé à la rédaction du focus. Sachant que dans le focus, ce sont les chercheurs qui traitent eux-mêmes les thématiques qui ont participé à la rédaction. Donc, ils ont pu parler concrètement de leur thématique de recherche. Alors, vous avez ici une vue du sommaire du focus. Donc, sans rentrer dans le détail, bah, vous retrouvez les points principaux évoqués lors de l'introduction. Donc, il y a une partie définition, une partie consommateur. Ma collègue vous en parlera un petit peu plus en détail. Ensuite, toutes les méthodes de caractérisation instrumentale connues en laboratoire pour essayer de caractériser la texture, mais aussi des propositions sur des aspects méthodologiques qui pourront être développés lors de projets. Une dimension texture et procédé qui sera aussi abordée donc, tout à l'heure au cours de cet exposé. Et enfin, donc, un historique des projets qui ont déjà été faits dans ce domaine entre 2008 et 2014. Et enfin, la proposition de projet. Alors, je ne vais pas tout détailler ici. Cette proposition de projet, vous la retrouvez aussi donc, dans le focus. Alors, Roland, le focus est disponible. Hein, Oui, alors ce focus est disponible auprès pour les adhérents de Valorial gratuitement sur simple demande auprès du pôle Valorial. Donc, je vous rappellerai tout à l'heure, en conclusion, les contacts. Ok, merci Roland. Alors, je ne vais pas vous détailler ici tous les projets qui ont été proposés et qui peuvent être traités par les partenaires de ce focus. Alors, ils ont été proposés en 4 items. Donc, un sur le comportement du consommateur et la texture. Donc, ma collègue Annick Tamaro, qui va prendre la parole après moi, vous en parlera. Les méthodologies d'évaluation de la texture en laboratoire, les méthodes de contrôle en ligne, il y a aussi une demande importante sur ces aspects, et enfin, tous les aspects qui traitent les produits finis sur lesquels on a eu beaucoup de questions, effectivement, par exemple, des thématiques bien connues, comme par exemple la substitution de matières grasses ou de sucre, voire de sel, et leur influence sur la texture. Voilà, bon, je vous remercie pour votre attention, puis je vais passer la parole à ma collègue. Merci Nicolas. Effectivement, on va aborder la texture par l'approche consommateur à l'aide de l'intervention de Annick Tamaro. Tu l'as fait en PPT ? En PDF ? Oui. Ah, attends, je vais te donner le PPT. Non, mais c'est... On va pas avoir le temps.
parce qu'elle est partie comme ça en ligne. Bon, alors, c'est pas grave. OK. Bon, ben, bonjour à tous. Nous allons regarder l'aspect consommateur. Et nous allons regarder si le consommateur parle bien de la texture de la même façon que l'industriel. Alors, cette petite fille qui n'est pas présente aujourd'hui avec nous l'est quand même un peu, et définit la texture, tant pour les industriels que pour les consommateurs. Cette petite fille, apparemment, est bien installée, et il y a un système mécanique qui fait que c'est assez souple. Donc, c'est relativement confortable comme position. Et cette petite fille, apparemment, n'a pas l'air d'être trop à plaindre. Elle est en train de vivre peut-être un rêve. En tout cas, elle est peut-être en train d'apprécier son moment. Et c'est parfois la définition qu'on me faisait de la texture du côté consommateur. Donc, la texture est un attribut majeur du goût qui va conduire à ce que le produit soit accepté, que l'on ait envie de le goûter, qu'on le goûte, que l'on l'achète, qu'on le regoute. Et la texture est un élément important dans le comportement du consommateur. Les industriels l'ont bien compris puisqu'ils utilisent la texture et les différents termes liés à la texture dans les noms. Ça sera éventuellement crunch, ça sera éventuellement tendre mousse, ça sera éventuellement tendrissime, voire crusty ball. Ça pourra être souligné sur les packaging, voire certains packaging auront une texture un peu particulière en termes d'emballage. Souligné en termes de packaging, j'ai ainsi vu un jus de tomate où il était marqué « texture veloutée ». J'avoue que je n'ai pas vu d'autres jus de tomate hors texture veloutée, mais le fait de le rajouter devait être un plus pour l'industriel et donc par rapport à ce consommateur. La texture fait l'objet de nouveaux produits. C'est ainsi que maintenant la pâte peut être rugueuse, ce qui nous permet de retenir davantage la sauce. Ou la texture peut être carrément l'occasion de création de nouveaux segments, comme par exemple les yaourts qui sont concentrés. Pourquoi se servir de cet élément différenciant par rapport à la concurrence ? Parce que le terme nouveau est intéressant pour le consommateur, voire publicité. Mais le problème de la texture ou le problème de la nouveauté, c'est qu'elle peut être perçue aussi de façon très négative. En effet, le consommateur va être, ou l'individu tout simplement, va être tiraillé dans un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de l'omnivore. Il va avoir tendance à vouloir découvrir de nouveaux aliments, à varier son alimentation, mais en même temps, il va être méfiant, il va aimer la sécurité, il va aimer le tradition et ce qui est déjà connu. Et donc, le consommateur ou l'individu va toujours naviguer entre ces deux pôles. Et donc, la nouveauté sera intéressante pour le consommateur à partir du moment où il en trouve un intérêt. Ça peut être un gadget, mais à ce moment-là, ce gadget va être considéré comme étant utile pour lui. Dans ce cadre-là, la texture, comment intervient-elle ? Comment est-elle jugée par ce consommateur ? Est-ce que c'est les nouveautés concernant la texture, sont-elles judicieuses ? Ont-elles des chances de réussir ? Oui, parce qu'on en voit beaucoup sur le marché, mais il y a quand même des pourcentages d'échecs de nouveaux produits qui sont assez conséquents. Et donc, l'objectif de notre recherche, du point de vue du consommateur, était de mieux comprendre donc, comment était interprétée la texture des produits alimentaires par les consommateurs et parallèlement, voir si les industriels avaient la même vision de la texture que ces fameux consommateurs qui nous intéressent. Donc, pour ça, cette recherche a été faite en deux phases. Dans une première phase, il y a une étude documentaire qui s'est faite à partir de revues de journaux professionnels, de revues de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons fait une étude qualitative auprès de vrais consommateurs et puis de rencontres de vrais industriels aussi. Alors, pourquoi je dis nous ? Parce qu'il y avait une stagiaire qui travaillait avec moi, qui était étudiante à l'IAE de Brest. Et donc, nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Donc, d'un point de vue documentaire,
La perception et la texture est perçue de façon différente selon les consommateurs. Différente selon les consommateurs selon leur âge et leur état de santé. Différente selon les consommateurs selon leur référentiel et leur culture, selon qu'ils testent ou goûtent les produits tout seuls ou en société et dans quel contexte. Et c'est ainsi que l'onctuosité d'un produit laitier sera associée à son caractère onctueux, collant et avec un petit goût de beurre, tandis que d'autres vont associer le caractère onctueux à la perception de gras et d'humidité. Or, la texture et ses attributs sont souvent évalués de manière objective, avec des mesures physiques, mécaniques. Et lorsqu'on fait appel au sensoriel, on va peu tenir compte de l'apprentissage des mécanismes du jugement et de la préférence. Déjà, on a des éléments. On a essayé de fouiller un peu plus loin dans cette logique, d'où l'étude qualitative. Pour ça, je vous l'ai dit, on a rencontré des vrais consommateurs, donc des consommateurs naïfs. 35 consommateurs ont été rencontrés, soit en face à face, soit en entretien de groupe, avec un guide d'entretien. Donc des points ont été abordés durant les entretiens. Et le même guide d'entretien a été administré auprès d'industriels responsables de R&D, 13 au total, pour voir si on était bien en phase et si le terme texture était bien compris de la même façon des deux côtés. Alors pour les industriels, l'aspect mécanique, l'aspect technique est mis en avant et lorsque je leur demandais « définissez-moi ce que veut dire texture », j'avais droit à des définitions comme Nicolas vient juste de nous présenter. Et ce n'est qu'après qu'il me parlait des incidences de la texture sur les sens. À l'inverse, les consommateurs, lorsque je leur demandais de me définir la texture ou ce qu'était pour eux la texture, ils me disaient toujours, tout de suite, ben, c'est tout ce qui se passe en bouche, c'est le toucher de la bouche. C'est lié aussi au plaisir et aux différents sens. Et donc, ben là, on voit déjà des différences entre industriels et consommateurs. Mais j'avoue que quand je posais la question à des consommateurs, ben voilà, le sujet de cette étude ou de notre rencontre, c'est la texture. Et j'aimerais bien que vous me définissiez avec vos propres termes ce qu'est la texture. J'avais certaines personnes qui étaient un peu dubitatives. Il y a une personne qui m'a dit ben, je comprends le terme, mais il me faut un dictionnaire pour l'expliquer. Donc la définition est complexe. Cette définition est complexe et bien connue des industriels, puisque un industriel confirme, hein, il va répondre simplement par des termes qu'il connaît, croustillant, mou, il va employer des mots assez courants et un autre à rajouter, mou ou dur, pour faire large. Alors, le consommateur ne sait pas vraiment, il sait ce que veut dire le terme texture, il le comprend, mais il ne sait pas vraiment mettre des mots vraiment précis dessus. Ça me semblait un petit peu évident ce terme-là, mais c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer en tant que consommateur naïf. Hein. Et là, je me suis posé la question, une des réponses pourrait être l'attribut texture, qui est un attribut important, est un attribut de base pour évaluer ce produit. Et donc cet attribut de base, il ne va émerger ou il ne va être mis en avant que lorsqu'il est surprenant. Et surtout lorsqu'il est surprenant de façon négative. C'est ainsi qu'un industriel me l'a confirmé. C'est à la limite la notion de goût qui prend le pas sur la texture. On ne dit pas ce produit a une super texture, mais plutôt qu'il a un super goût ou qu'il est joli. Par contre, la texture, lorsqu'on parlait de la texture plus ou moins longtemps, lors d'un papotage, tout de suite la texture était reliée à d'autres notions qui étaient un signe, par exemple, de qualité. Une endive achetée dans le commerce ou produite dans le jardin, ça n'a pas le même goût. Dans le commerce, elles sont insipides, pas de goût. Au niveau de la cuisson, elles sont pleines d'eau.
une autre dame me confirme, des défauts apparents sur un produit donnent de l'authenticité. Et puis, cette texture est associée à une promesse de plaisir, de sensation, d'expérience. Et là, j'en reviens à la petite fille. On est éventuellement sur des... On mange autre chose qu'un produit alimentaire. Ce mélange de textures, c'est ça qui me plaît. Oui, ça a plus de goût. Il y a un truc qui croque dans la, sous la dent. Et après, il y a le raisin, un peu moelleux. Et ce qui était rigolo, c'était de voir l'attitude des gens lorsqu'ils me décrivaient, là, c'est un chocolat. Lorsqu'ils me décrivent leur chocolat, on n'est plus du tout dans l'alimentation, on est carrément dans l'affectif. Surprise, ça craque un peu en bouche, c'était sympa. En bref, en conclusion, pour l'industriel, la texture est quelque chose, un élément du produit, un attribut du produit qu'on va évaluer de façon physique pour la plupart. Et on va estimer que c'est un bon ou mauvais produit, mais ça ne va être qu'un seul attribut du produit. Or, pour le consommateur, le terme texture est un, l'attribut texture est un attribut central du produit. Et donc, cet attribut central, il va faire partie d'un tout et il va être associé au goût, au toucher, au visuel, mais il va être surtout synonyme de plaisir, de découverte, de sensation, de plaisir. Et donc, cet attribut est central dans l'évaluation du produit et bien sûr dans l'achat du produit. Donc, en conclusion, en deuxième conclusion, on pourrait dire que l'évaluation des industriels, simplement que sous l'aspect technique ou alors en faisant appel aux analyses sensorielles avec des panels d'experts, évalue qu'une partie de la texture. Mais le côté sensation, affectif, expérientiel est passé de côté. Et c'est ça qui est dommage, puisque justement, c'est ça qui apparemment est aussi important pour le consommateur. Et donc, un des projets ou une des pistes de recherche, ça serait de partir du comportement du consommateur pour voir l'aspect expérientiel, pour après remonter la chaîne en termes d'innovation nouveaux produits. Merci Annick pour cette présentation donc, qui nous rappelle effectivement que la texture, c'est un attribut central pour l'acte d'achat ou de réachat d'ailleurs du produit, que c'est un élément de différenciation qui doit être utilisé par les acteurs industriels, et aussi que la texture finalement est perçue comme un signe soit très positif, soit négatif de qualité de l'aliment en question. Donc je pense qu'on essaiera de poser des questions à l'issue de cette série de courtes interventions. Je suis heureux de voir que la troisième intervenante vient juste d'arriver, donc c'est qu'elle est sortie des bouchons et donc elle va pouvoir venir de suite au micro pour faire sa présentation sur la vision en tant que chercheuse et enseignante de cette texture. Bonjour à tous. Excusez-moi d'être arrivée un petit peu en retard, il y avait beaucoup de monde sur la route. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'évaluation que l'on peut faire. Près du micro. Vous pouvez pas, vous m'entendez pas. Vous m'entendez mieux comme ça? D'accord. De l'évaluation que l'on peut faire en laboratoire de recherche de la texture de produits alimentaires. Et comme je vais vous montrer dans une courte diapo introductive, on travaille rarement sur des vrais produits alimentaires, sauf pour des prestations de services, mais pour des études plus fondamentales, c'est plutôt sur des systèmes modèles. Donc je me présente d'abord, je m'appelle Catherine Garnier, je travaille à l'INRA de Nantes dans le laboratoire biopolymère interaction assemblage. Oui ? Encore ? Ok. Donc, je vous présente
très brièvement notre laboratoire, donc biopolymère interaction assemblage, qui a pour but d'acquérir et d'intégrer des connaissances sur tous les assemblages de biopolymères, donc que l'on peut utiliser dans l'industrie agroalimentaire, en relation avec leurs fonctionnalités, soit dans des systèmes complexes natifs ou alors au cours du cycle de vie des systèmes. Donc de la biosynthèse à la construction et à la déconstruction des systèmes. Tout ceci pour augmenter la qualité des plantes pour des utilisations alimentaires et non alimentaires, développer des matrices alimentaires, des matériaux biosourcés et augmenter la valeur santé des aliments par une meilleure maîtrise de la balance bénéfice-risque. Donc, comme on parle de texture, je vais vous parler des principaux agents épaississants et gélifiants de nature glucidique qui sont la base de nos recherches dans l'équipe où je travaille et surtout dans le groupe rhéologie dont je m'occupe. Donc, je vous ai fait la liste ici de tous les agents épaississants et gélifiants qui étaient utilisés dans l'agroalimentaire. Et je vais prendre un exemple, celui des pectines, qui est un polysaccharide issu des parois végétales. Donc, vous allez me dire, les pectines, on connaît leur structure, elle a été bien définie par un ensemble d'études. C'est une structure très complexe, mais pour leurs propriétés fonctionnelles courantes, on peut s'intéresser simplement à une partie de leur squelette, qui est le squelette qu'on appelle homogalacturonate, composé d'acides galacturoniques, soit libres, soit méthylestérifiés. Tu n'as pas un pointeur ? Non, d'accord. Donc, on va faire ça avec... Donc, des acides galacturoniques libres, je ne sais pas si vous voyez ici, et des acides galacturoniques méthylestérifiés. Lorsque le degré de méthylation est faible, c'est-à-dire quand moins de la moitié des fonctions carboxyliques libres est méthylestérifiée, on a un degré de méthylation inférieur à 50%, qui conduit à une gélification en présence de calcium. Et la gélification est connue pour se faire sous le modèle de la boîte à œufs, donc avec complexation des calciums ici entre plusieurs chaînes de pectine et formation d'un gel. Donc justement, quand on parle d'un gel, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est après dispersion des macromolécules en milieu aqueux et solubilisation complète, on va avoir gélification sous l'action d'un agent chimique ou physique. Et donc, gélification, c'est l'établissement de liaisons intermoléculaires plus ou moins fortes entre les chaînes de polymères, de biopolymères, pour former des zones de jonction. Entre une solution et un gel, on a un système qui passe des caractéristiques mécaniques d'une solution à un système qui a les caractéristiques physiques d'un solide. Donc, comment on peut suivre ces mécanismes de rhéologie, de gélification ? En particulier en rhéologie. Donc la rhéologie, c'est la science de l'écoulement et de la déformation de la matière. C'est une science qui lie les lois de comportement des matériaux, donc les contraintes aux déformations, donc l'élasticité, qui permet de déterminer l'élasticité, la viscosité, les propriétés viscoélastiques, la plasticité. Donc en rhéologie, on établit les relations entre contraintes et déformations, ou dans le cas de l'utilisation de rhéomètres, et les relations contraintes vitesse de déformation lorsque l'on utilise des viscosimètres. Donc, je vous ai parlé des pectines. Je vais vous donner un exemple de gélification de pectine. Donc, vous voyez ici sur ce schéma où l'on suit l'évolution du module élastique, que l'on appelle couramment élastique, même si c'est un abus de langage, en fonction du temps, pour différentes concentrations de pectine, donc de 0,2 à 0,85%, en présence de calcium. Et on voit que les pectines gélifient d'autant plus que la concentration est forte. Ce n'est pas une nouveauté, tout le monde le sait depuis bien longtemps. Et on sait aussi que l'augmentation du taux de calcium dans le système augmente la force des gels de pectine. Ça, ce sont bien sûr des pectines faiblement méthylées. Donc, augmentation des propriétés mécaniques avec la concentration en calcium et en polysaccharides. Par contre, vous savez tous que dans l'industrie agroalimentaire, on se contente rarement d'utiliser un seul ingrédient. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe dans les mélanges de polymères. Donc, en général, dans les mélanges de polymères, la miscibilité est un cas très rare.
Et très rapidement, on va avoir une séparation de phase qui va arriver, soit une séparation de phase associative, soit une séparation de phase ségrégative, ce qui va donner au-dessus d'un seuil donné, un seuil de concentration, une séparation de phase avec une des phases enrichies dans l'un des polymères et une des phases enrichies dans l'autre polymère. En dessous de ce seuil de concentration, on reste avec un système miscible. Mais souvent, ces seuils sont très, très faibles. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau rhéologie? Là, je vous ai montré l'exemple de gélification de pectines faiblement méthylées, donc les mêmes que tout à l'heure, en présence de protéines. Donc, dans ce cas-là, précisément, c'est la SAB qui est représentée, qui est peu alimentaire, mais on a fait la même chose avec la bêta-lactoglobuline, qui est beaucoup plus alimentaire. Donc, vous avez ici une cinétique de gélification de la protéine seule. Donc, ce sont les points. J'arrive pas à retrouver la souris. Voilà, ici. Les points ici. Lorsque l'on ajoute un tout petit peu de pectine, on observe une augmentation des propriétés gélifiantes. Donc, si je vous décris un petit peu la cinétique de gélification, on a un traitement thermique à 80 degrés qui permet de dénaturer la protéine. Et donc, on suit ici sa gélification. Donc, quand on ajoute un petit peu de pectine, on a une augmentation des propriétés viscoélastiques. Alors, quand on regarde en microscopie, pratiquement après préparation, on voit que pour la protéine seule, on a un réseau totalement homogène. On ne voit pas du tout le réseau. C'est en dessous du seuil de sensibilité de la méthode. Ça a été fait en microscopie confocale à balayage laser. Quand on ajoute donc un petit peu de pectine, on voit que le réseau de protéines ici devient plus visible, il est moins continu et moins homogène. Mais en tout cas, il y a toujours des liaisons entre les différents agrégats protéiques que l'on voit mieux que lorsque la protéine est seule. Cette augmentation un petit peu de la fluorescence et donc de la concentration est liée à l'augmentation des modules. Lorsque l'on rajoute un peu plus de pectine, donc 0,43% de pectine, on observe une baisse des propriétés viscoélastiques qui est expliquée par un début de séparation de phase. On augmente la concentration en pectine à concentration constante en protéines. On a une séparation de phase microscopique qui se produit très rapidement et qui est visible, dont les conséquences sont visibles tout de suite quand on suit les propriétés mécaniques. Avec une baisse des propriétés viscoélastiques, vous voyez un G' qui diminue. Lorsque l'on augmente encore la concentration en pectine, le module viscoélastique diminue, le module élastique diminue, et on voit très bien qu'on a perdu la continuité du réseau de protéines, ce qui explique la baisse de ces propriétés rhéologiques. Au niveau macroscopique, que voit-on? Lorsque l'on n'a ni pectine ou un tout petit peu de pectine, on reste avec un gel de protéines homogène, alors que lorsque l'on augmente la concentration, on voit une séparation de phase macroscopique apparaître, mais bien après que l'on puisse l'apercevoir, soit en microscopie, soit par des méthodes rhéologiques. Donc ça, ces observations sont faites. Normalement, il n'y a pas de minutage. Ces observations sont faites 48 heures après et après centrifugation. Alors, lorsque l'on rajoute du calcium, là, seule la protéine était gélifiante. Lorsque l'on rajoute du calcium, on a ici donc la gélification de la protéine seule, puis la gélification des mélanges protéines polysaccharides, avec ici représentée la gélification de la pectine seule à 0,85%. Donc, on voit ici qu'en présence de calcium où les pectines vont gélifier, on a une diminution des modules viscoélastiques lorsque l'on ajoute le polysaccharide, qui est expliqué par une discontinuité du réseau protéique et la perturbation induite par le gel de pectine que vous pouvez apercevoir ici, enfin deviner en noir, il ne fluoresce pas sur les images. Donc on a complété ces études en montrant que en présence de calcium, la gélification était vraiment gouvernée par les pectines et que tout le calcium présent dans les systèmes avait plus d'affinité pour les pectines que pour les protéines, que ce soit la BSA ou la bêta-lactoglobuline, alors qu'en absence de calcium, la gélification était purement gouvernée par la protéine, la dénaturation thermique de la protéine. Donc voilà un petit peu, je pense que c'est à peu près bon, un petit peu ce que je pouvais vous raconter pour ce que l'on fait comme étude fondamentale dans les laboratoires de recherche, c'est-à-dire s'intéresser
aux interactions entre constituants pour essayer de maîtriser la texture du produit final. Parce qu'on va parfois jusqu'à la texture du produit final. On a travaillé récemment dans le cadre du projet DREAM sur des crèmes dessert et les interactions entre amidon, carrageenan et protéines laitières. Donc on va jusqu'au produit fini. Mais ce que je dis en général, c'est que pour maîtriser la texture, il faut bien connaître les conditions de solvant, les conditions de traitement thermomécanique. Les conditions de solvant, c'est en particulier la présence d'ions de minéraux dans les milieux, les conditions de pH qui vont pouvoir jouer sur la dissociation des groupements acides lorsque vous avez un polyanion, et les conditions de traitement thermomécanique. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai présenté qu'il y avait un traitement thermique pour dénaturer la protéine. Faire attention au niveau des phénomènes de séparation de phase, des phénomènes des interactions de volume exclu lorsque vous travaillez avec des mélanges, ce qui est souvent le cas. On a tendance, quand on veut texturer, à rajouter tout le temps et à augmenter les concentrations, alors que souvent, on a affaire à des phénomènes de séparation de phase, d'incompatibilité thermodynamique entre les polymères ou de phénomènes de déplétion-flocculation dans le cas des mélanges polymères colloïdes. Et pour comprendre, pour essayer de résoudre les problèmes, toujours commencer par simplifier les formulations avant de les compliquer à nouveau. Ça, je sais que nous, on a le temps de le faire, vous, pas toujours. Donc, pour continuer sur le sujet, je tenais à vous signifier, à vous informer de la tenue d'une formation épaississant et gélifiant qui sera organisée par la société Cap Aliments les 16 et 23 juin 2015 à Nantes, et les informations plus détaillées seront bientôt accessibles sur le site de Cap Aliments. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, voilà. Oui. Merci. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait garder les questions pour la fin. Donc on voit bien qu'effectivement, ces aliments sont des systèmes très complexes. On a vu en premier lieu que la définition était complexe. Donc le système est complexe. Et maintenant, on va voir l'influence des procédés, effectivement, en particulier, et de la formulation sur les aliments et sur leur texture en particulier. Donc je passe la parole à Pierre Durosset de l'ADRIA Développement de Quimper. Bonjour à tous. Bien, alors donc maintenant qu'on a vu les aspects attentes du consommateur, les aspects un peu plus techniques de texturation, on va donc s'intéresser à la fabrication proprement dite des aliments. Alors donc la question qui est posée, c'est quel cahier des charges pour innover dans la texture des aliments. Bon, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que effectivement la formulation et le procédé sont les deux éléments essentiels de la texturation d'un aliment. Mais pour répondre à la question, il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, une première, enfin, quelques exemples en tout cas de première série de réponses qui ne sont pas, enfin, qui vont pas nous apporter d'informations directes sur la façon dont on va texturer, mais quand même, ce sont des finalement, en guise de réponse, des questions auxquelles il va falloir quand même apporter des réponses pour finir. D'abord, ben, qu'est-ce qu'attend véritablement le consommateur, ou du moins quelles sont ses habitudes alimentaires, ses modes de consommation d'aliments. Alors j'ai listé là quelques éléments. D'abord, réduction des additifs, voire la suppression des additifs dans les matrices alimentaires, la production d'aliments transformés à partir de matières premières d'origine d'agriculture biologique, la production d'aliments particuliers pour des raisons de santé, donc réduction du gluten, dont on sait que c'est quand même un ingrédient texturant important, ou la production d'aliments destinés à des classes d'âge particulières, alimentation senior, où bon, il faut développer des textures adaptées à cette catégorie de personnes.
Ensuite, il y a des préoccupations d'ordre économique. Comment restituer une texture identique à un produit de qualité supérieure en mettant en œuvre des matières premières dont les propriétés technologiques sont un petit peu moins bonnes. Voilà, donc à partir de ces questions-là, on pourra apporter des réponses en matière de texturation. Autre réponse à apporter, et là qui vont nous renseigner un petit peu plus sur la façon dont on va devoir texturer les aliments, ce sont les propriétés d'usage. Donc là encore quelques exemples, la tartinabilité qui est en lien direct avec les propriétés rhéologiques, rhéofluidifiantes des matrices alimentaires, la tranchabilité avec les propriétés gélifiantes, thermo-coagulantes des protéines par exemple, ou gélification à froid avec la gélatine. Des notions aussi de cuillerabilité qui rejoignent des propriétés rhéofluidifiantes également. Ensuite, des propriétés sensorielles, on en a parlé tout à l'heure, donc des notions de croustillant qui sont en relation là plus directement avec des aspects de procédé, cuisson à haute température, en ambiance sèche pour déshydrater les aliments, les matrices, et donc leur conférer le croustillant. Des notions de légèreté en relation avec des process de mélange, entre autres l'incorporation d'une phase gazeuse dans une matrice alimentaire, et puis d'autres propriétés gélifiantes qui rejoignent la notion de matière première mise en œuvre, donc de propriétés rhéologiques. Alors, si je m'intéresse à l'aspect procédé, donc je prends séparément le procédé et la formulation, encore que ce soit difficile lorsqu'on fabrique un produit alimentaire, une première opération consiste souvent à mélanger des ingrédients entre eux qui ne sont pas forcément naturellement miscibles, et c'est toute la technologie des émulsions. Donc on va réaliser avec des process de cisaillement plus ou moins intense, pour disperser des phases, une phase non miscible dans une phase continue, qui peut être une matière grasse dans de l'eau ou des bulles de gaz dans une matrice aqueuse également. Et la technologie de mélange qui va être mise en œuvre, on obtiendra des textures crémeuse, fondante ou plus ou moins onctueuse. Les traitements par la chaleur, c'est la deuxième opération importante dans la production de matrices alimentaires. Donc, traitement par la chaleur plus ou moins intense, des traitements doux vont nous transformer les protéines en gel relativement souple, avec jusqu'à des traitements plus intenses, donc cuisson à haute température, en ambiance sèche, et on va former une croûte, donc un aspect plus croustillant, ou alors des traitements beaucoup plus longs qui auront pour effet d'hydrolyser certaines protéines et donc de conférer des textures souples à des matières premières qui avaient plutôt tendance à être fermes. Ensuite, des procédés qui ont généré toute une série de produits, donc procédé qui n'est pas des plus récents, mais relativement quand même, qui ont, sous l'effet de traitements mécaniques et thermiques associés, aboutit à la création de produits extrudés qu'on connaît bien. Alors, si je m'intéresse maintenant à l'aspect formulation, un des constituants importants des matrices alimentaires, ce sont les protéines, et ces protéines ont des propriétés fonctionnelles qu'on va exploiter au maximum pour développer des textures. Donc, pour refaire le lien avec les émulsions tout à l'heure, c'est les propriétés tensioactives du jaune d'œuf, par exemple, de la moutarde, vis-à-vis de la liaison de la matière grasse, ou les propriétés tensioactives du blanc d'œuf vis-à-vis de
de l'eau et d'une phase gazeuse dispersée. Également les propriétés thermogélifiantes hein, qui vont aboutir à des textures tranchables. Les polysaccharides, autres constituants importants des matrices alimentaires, qui vont conférer de la viscosité en fonction bien sûr de l'origine végétale de ces de matières amylacées notamment. Jusqu'à donc des textures plus ou moins visqueuses, plus ou moins épaisses, jusqu'à des textures gélifiées. On en a parlé tout à l'heure de la gélification avec les pectines, mais également les alginates par l'intermédiaire de la présence de calcium. Alors, quelques exemples de texturation par gélification. Alors, en gélification, on peut avoir... Enfin, classer, vous donner trois classes de gel. Gel irréversible, c'est le cas par exemple du blanc d'œuf qu'on cuit et on aura beau le réchauffer, une fois qu'il est coagulé, la texture gélifiée persistera. Les gels thermoréversibles, c'est typiquement la gélatine qui gélifie après une solubilisation et un refroidissement, et si on la réchauffe, elle repasse en solution. Et puis les gels réofluidifiants, typiquement le ketchup, ce sont des gels très souples qui nécessitent une petite action de cisaillement pour les refluidifier. Et donc c'est une propriété qui est exploitée, bien sûr, en propriété d'usage. Alors quelques bons ingrédients gélifiants, mais bon, je vais passer. Donc ce sont bien sûr les protéines thermocoagulantes, les protéines associées aux sels de calcium ou avec des enzymes comme la transglutaminase. Voilà. Si on s'intéresse, si je reviens au départ de l'intervention, donc j'ai cité parmi les réponses au cahier des charges la production d'aliments avec la réduction d'additifs ou la suppression d'additifs. Là, il faudra s'intéresser exclusivement aux propriétés naturelles des constituants de la matrice alimentaire. Et donc pour optimiser leur fonction technologique. Donc il va falloir les fonctionnaliser et c'est toute la limite de l'opération d'essayer d'aller chercher le plus loin possible les fonctions de ces matrices alimentaires. Donc là, le procédé prendra toute son importance pour optimiser ses propriétés. Alors je vais passer parce que le temps passe. Et juste pour terminer sur les propriétés justement intrinsèques aux matières premières et entre autres celles de l'œuf, parce que c'est une matrice qui peut nous générer vraiment des textures très différentes. Alors un œuf, tout simplement, si je le casse sur une poêle chauffée très fort, j'obtiens deux textures. Une texture gélifiée d'une part, le blanc, parce que ces protéines gélifient à température relativement basse, et le jaune qui reste liquide, qui n'a pas eu le temps d'atteindre une température suffisante pour sa gélification. Si ce même œuf, je le mélange et que je le chauffe toujours dans une poêle, j'obtiens donc une omelette avec une texture gélifiée, on va dire homogène. Et si à ce même mélange, je rajoute du lait et du sucre, que je le cuis sans action mécanique, j'obtiens un flan d'œuf, avec donc là une texture gélifiée, plus souple que la texture de l'omelette, parce qu'on a un petit peu distendu le réseau par la présence de lait et de sucre. Si à cette préparation d'œuf, ce mélange de jaune et de blanc, je la mélange à l'aide d'un fouet ou d'un foisonneur, eh bien, j'obtiens l'omelette de la mère Poulard qu'on peut goûter, pas très loin d'ici. Donc une texture souple, aérée, dans un gel qui lui aussi est distendu. Et enfin.
Si je fractionne les deux parties de l'œuf, le blanc et le jaune, eh bien, je peux là aussi obtenir des textures différentes. Le blanc, sa propriété technologique importante, c'est son pouvoir moussant. Donc, au moyen d'un système de battage, d'une cuisson, on obtient donc un des constituants de ce qu'on appelle l'île flottante. Voilà. Et si la partie jaune, je la mélange avec un peu de sucre, un peu de lait, un traitement thermique modéré, j'obtiens une sauce ou une crème que je peux ensuite associer au blanc précédent et on obtient l'île flottante avec deux textures, une texture crémeuse, coulante et une texture gélifiée, et moelleuse. Voilà, donc les matières premières elles-mêmes sont pleines de ressources, de propriétés fonctionnelles. Une des conclusions de Catherine tout à l'heure était de commencer par simplifier les formulations pour ensuite les complexifier. Là, typiquement, l'œuf, c'est le cas. On commence par exploiter les propriétés technologiques de chacune des fractions. On pourrait encore aller plus loin, bien sûr, avant de commencer à utiliser d'autres intrants pour conférer des textures encore différentes. Merci. Merci, Pierre, pour cette présentation sur l'impact des process qui se traduit bien à travers le cas de l'œuf où, effectivement, à partir d'une matière première unique, même si elle est complexe, on peut obtenir des textures très, très différentes. Est-ce que dans la salle, il y a des questions par rapport à l'une ou l'autre des interventions de cette heure de présentation, cette première présentation ? S'il n'y en a pas, moi j'en ai quand même, j'aurais aimé vous poser à tous la même question en fait, en termes de sources d'innovation aujourd'hui. Est-ce que vous percevez, soit côté consommateur, soit côté recherche, formulation, labo, ou soit côté process, des tendances particulières en termes d'innovation à vos niveaux respectifs? Est-ce qu'on va vers de la simplification? Est-ce qu'on va vers de la recherche de synergie? Quel est votre avis un petit peu là-dessus? Je prends la parole en premier. Donc, effectivement, la tendance actuelle, c'est quand même essayer de réduire les additifs, rester dans le plus naturel possible, le plus clean label possible. Donc, vis-à-vis du formulateur et du fabricant d'aliments, cette attente-là du consommateur ou cette tendance génère bien sûr des difficultés de formulation. D'où l'importance de l'exploitation, encore une fois, des propriétés intrinsèques aux aliments et puis d'agir sur les procédés pour compenser. Alors, on voit apparaître maintenant des ingrédients qui peuvent effectivement se revendiquer d'être clean label et qui vont nous aider à résoudre ces problématiques de formulation tout en restant dans le cahier des charges demandé. Catherine, peut-être un complément sur la partie recherche plus amont au niveau du laboratoire sur les pistes d'innovation en termes de formulation ou d'ingrédients? Je ne peux que confirmer ce que vient de dire Pierre. Les projets de recherche que nous menons actuellement, qui nous sont commandés, on va dire, visent à réduire vraiment la quantité d'additifs inclus dans les produits et à travailler seulement à partir des matières premières vraiment constitutives du produit final. Par exemple, pour les produits laitiers, on travaille vraiment à texturer les systèmes à base de protéines laitières et en jouant sur les différents procédés, les modes d'incorporation. Sinon, on voit aussi une évolution qui est en lien avec tous les changements climatiques qui nous sont annoncés, avec un développement des recherches sur les protéines végétales et ainsi qu'un début de recherche sur les protéines d'insectes. Donc ça, ce sont les pistes d'innovation. Donc la recherche sur les protéines d'insectes est quand même relativement débutante, à notre niveau en tout cas. D'accord.
Et juste rebondir, oui, sur ce, Nicolas, que disait Catherine, effectivement. Et si on fait le point à l'issue des sondages et des interrogations, que ce soit des chercheurs ou des industriels dans le focus, il y a effectivement des sujets, même sur des produits actuels, qui doivent être encore traités, bah, ce qu'on vient de dire, simplification des formulations, optimisation de textures déjà existantes, tu en as parlé, Pierre, par exemple, tranchabilité, etc. Il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc il y a des sujets de fond, je pense, qui restent encore à traiter. Et bien sûr, après, il y a aussi des sujets qui permettront d'innover, comme le contrôle en ligne, les nouveaux procédés, et pourquoi pas aussi des nouveaux ingrédients à produire. Et je ne sais pas si Annick, tu veux dire un mot sur le... Au niveau du consommateur, il y a plein d'innovations à faire en termes de texture. Selon les tendances de consommation, le consommateur veut de la surprise, de la découverte. Et là, j'aurais tendance à dire... allez-y, mais dans une limite raisonnable, parce que attention, si c'est trop perturbant, le consommateur va refuser le produit. En termes d'authenticité, on travaille sur une texture nickel chrome ou vraiment bien, et en fin de compte, ben, vous avez vu avec le verbatim que le défaut peut être aussi signe d'authenticité, de qualité, etc. J'aurais tendance à dire que en termes d'innovation, par rapport au comportement du consommateur, il y a plein d'axes de recherche qui peuvent être développés, mais toujours en tenant compte du consommateur et jusqu'où il accepte l'innovation. Par exemple, je reviens à l'histoire de Clean Label. Effectivement, la notion de Clean Label est très importante pour les industriels. À un moment, Nicolas m'avait donné comme fiche de route d'évaluer ou de faire une étude sur la texture et le Clean Label, les produits Clean Label. Donc j'ai commencé une étude qualitative sur le Clean Label. Et en fin de compte, les personnes avaient tendance à me dire bah, « Le Clean Label, déjà, je ne comprends pas, mais ça, c'est normal, j'expliquais. » Et là, les personnes me disaient « On ne comprend pas comment les industriels maintenant peuvent faire sans, alors qu'avant, ils faisaient avec. » Donc ça veut dire qu'il y a encore de la chimie derrière. Et donc tu me dis que c'est un produit qui est plus naturel, mais moi je te crois pas. Alors c'est vrai que c'était du papotage, hein, d'accord, qu'ils n'avaient pas les produits en main, qu'ils ne les goûtaient pas, que c'était vraiment là pour commencer à débroussailler le terrain. Mais c'est vrai que a priori le Clean Label pour le consommateur, il faut le faire pour l'industriel et c'est important, mais le consommateur va se poser des questions. Et donc, il y a un certain nombre de choses en termes d'innovation qui peuvent être faites en souterrain, comme le principe de la réduction du sel dans le pain, où le consommateur n'a pas été conscient qu'on a réduit le taux de sel dans le pain. Et comme il n'en est pas conscient, il est toujours content de son pain. Alors qu'on lui aurait dit... on réduit le taux de sel dans votre pain, ils auraient dit, le pain est insipide, donc je ne l'achète pas. Même si ce n'est pas bon pour ma santé, je ne l'achète pas. Alors, il y a un certain nombre de consommateurs qui disent, c'est bon pour ma santé, donc je fais le sacrifice du goût et du plaisir. Ce n'est pas le cas de tous les consommateurs ou des consommateurs adultes relativement bien portants ou n'ayant pas des gros problèmes de santé. Mais si je reviens à ta question, Roland, c'est... on peut, en termes d'innovation, allez-y. Mais attention à notre consommateur et à bien de voir jusqu'où il accepte l'innovation. Merci Annick. On le voit bien à travers toutes ces présentations, effectivement, que la texture est particulièrement importante et a un impact économique fort au niveau de l'industrie agroalimentaire. Si je reprends l'exemple de la tranchabilité, c'est aussi un signe fort pour les notions de cadence, pour couper du jambon, mais c'est aussi effectivement une perception consommateur particulière, il faut que ce soit bien tranchable. Donc derrière même des termes comme cela, il y a des définitions assez larges. Donc moi j'invite tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les notions de texture soit à s'inscrire aux formations de l'ADRIA ou de Cap Aliment qui vont avoir lieu en mars et juin,
soit ceux qui s'intéressent effectivement aux biopolymères à participer au colloque polymérique qui aura lieu à Rennes au mois de mai prochain. Autrement, il faut savoir qu'au niveau du pôle valorial et de la commission ingrédients que CBB Cabiotech anime, nous avons mis en place un groupe de travail sur ces problématiques de texture avec des angles d'approche effectivement complémentaires. Donc ce travail fait suite au focus valorial Evatex. Et donc une prochaine réunion de ce groupe de travail est prévue en juin 2015 à Nantes avec notamment la visite vraisemblablement d'un outil très novateur, je dirais, au niveau de l'Oniris, qui est un simulateur de mastication qui permet de faire des mesures dynamiques de la texture, qui est, semble-t-il, aussi un élément d'innovation assez important. Et donc, je vous invite à vous rapprocher soit du pôle valorial, soit de CBB Cabiotech, dont les coordonnées sont indiquées ici. Et je remercie une nouvelle fois les intervenants pour leur présentation. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Thank you.